Gore Doctor. A priori, c'est un jeu un peu gore. Voilà. Non, ah ouais, a priori, c'est un jeu un peu gore. A priori, c'est plus ou moins de l'horreur. Plus ou moins de la survie. Et, il paraîtrait que c'est un petit peu sanglant. Voilà. Alors, pour le coup, il est déjà sorti, celui-là. Il est sorti aussi le 22 mars. Il est positif au niveau des évaluations. Je l'avais en wishlist. Je l'avais zappé en fait dans ma wishlist depuis X temps. J'avais même pas vu en fait qu'il était sorti concrètement. Et quand j'ai fait mes petits achats des soldes, bah, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une démo et je me suis dit tiens, et si on allait la tester? Voilà, donc on va tester ça. Alors, game, volume. On va baisser un peu. Graphique, ok. Contrôle, ok. Alors, il n'y a pas de French. Comment on va faire sans. Et on va start démo. Labyrinthe d'un docteur un peu tourmenté. Ouais. On va découvrir ses noirs secrets en tentant de s'enfuir, manifestement. Allons voir ça. Ok. These folks look dangerous. I better avoid them when I'm unarmed. Ah. Ah. Bah, pas de bol, je crois qu'ils m'ont vu. On peut pas crunch? Ah, si, on peut crunch. Donc, il y a des adversaires, manifestement, qui peuvent tenter de nous faire la peau. Donc il est conseillé de les éviter tant qu'on n'a pas d'armes. Alors par contre c'est ultra sombre. On va peut-être essayer de tricher un peu si dans les graphiques on peut modifier un truc. Bon, on va rien pouvoir changer. Un peu triste. Un peu triste. Bah j'aurais aimé pouvoir éclaircir un peu parce que là j'avoue. Bon après si je coupe ma lumière de toute façon les autres ils me voient pas a priori. Si je reste dans l'ombre bien évidemment. Ah faudrait qu'on trouve une arme. Pour se défendre. C'est la bonne ambiance, hein, les bruits, y a pas de problème. On serait dans un bon vieux film d'horreur. Y a pas de gun ici, bordel. Y a pas de gun. Y a rien. Ah, une porte. Elle est fermée, bien évidemment. Ouais, y a pas grand chose. Hein. Ah, sur le bureau, y a peut-être un truc. Y a des choses sur le bureau. Ouais, d'accord. Blablabla. Bon, je viens de tout lire. Moi, je voudrais surtout un gun. De type Kalachnikov. Non, pas forcément une calache. Hein. Ne serait-ce qu'un petit 9 mm là pour lancer quelques petites bastos en pleine tête. Bon, après, si j'étais exigeant, autrement, je vous dirais un petit fusil sniper.
Mais je pense pas que ce soit le propos de ce jeu. Bon, on a quand même l'air d'avancer. Dans un... Ah, so long. Est-ce que je l'ai perdu ? Non, je l'ai pas perdu. Ah oui. Alors le problème c'est que j'ai rien pour me défendre. On est mort, d'accord. J'ai rien pour me défendre. C'est un peu problématique. Retry, d'accord. Il a pas pris en compte retry. Il a pas pris en compte retry, j'ai l'impression, je sais pas. Je ne sais pas trop, ça ne nous donne pas d'informations. Je peux pas faire échappe. D'accord. Attendez, on va faire un truc. On va quitter et relancer. Voilà. Allez. Ah, oui, bien sûr. Alors je relance, mais il se lance sur un autre écran, ce con. Non, ce sera intelligent que tu viennes sur mon écran. On voit encore le truc. Hop, hop, cet écran-ci, merci. Bon. Bah il se lance sur le mauvais écran maintenant, c'est magnifique. Attendez. Est-ce que... ouais, voilà. Hop. Comme ça, je vais pouvoir le déplacer sur l'autre écran. C'est pas mieux. On va le mettre full screen. On va le mettre en ça. Voilà. Ouais, pas... il n'y avait pas mieux en résolution, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure à la résolution qu'on avait. Apply ça. Juste que je vous modifie légèrement la capture pour vous. Voilà. Hop, non, on est un poil trop. Là, on doit être pas mal. Hop, on y revient, du coup. Alors, start. Il retourne, hein. On réessaye. Alors. These folks look dangerous. I better avoid them when I'm unarmed. On va essayer de venir par là. On peut pas longer le mur. On a évidemment tout fait pour nous bloquer. On va commencer par ce côté-ci. En fait, je sais pas à quoi ils réagissent les autres. Si c'est au son, à la lumière.
ou à autre chose. Sachant que l'autre tout à l'heure il nous chopait, je sais pas d'où il vient. Hein. Bonne ambiance, hein. Ouais, d'accord, un culte. Ouais, bon, on se doute qu'il y a un culte derrière tout ça, hein, bien sûr. Peut-être un petit culte SM, hein, quand même, hein, mais bon, bref. Je ne suis pas là pour juger, n'est-ce pas, hein. On peut pas examiner le cadavre, non, on peut qu'examiner le masque. Hein. Ah, ça disait examiner un truc. Ah, de nouveau le masque, pardon. Alors, pour l'instant, on n'a toujours rien trouvé. Hein. Ok. Alors là en fait j'ai un souci. Dans le sens où de l'autre côté on sait qu'il y a une classe avec une lettre à lire. Mais si on continue à longer le mur, on tombe sur celui qui nous a tué. Au centre de la pièce on a un mec. On peut pas le tuer parce que pour l'instant on n'a rien pour tuer les gens. Je vois pas trop par où il va falloir que j'aille. Côté là-bas. Ah putain. Bon, bon, on est mort. Voilà l'autre. J'ai pas de solution pour m'en débarrasser. Non. J'ai pas d'arme. Ah. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il peut pas grimper. D'accord, donc l'IA est un peu stupide. Ok. Donc il dormait derrière la cage là-bas. Est-ce que ma vie remonte ou pas? Elle remonte pas, je crois pas. Si, elle remonte au fil du temps, d'accord. Alors on va attendre un tout petit peu, et on va essayer de courir à l'autre bout de la pièce. Tout simplement. Et là en fait pour une fois je me dis j'ai bien fait d'aller tester la démo avant d'acheter le jeu. J'ai un doute sur le jeu. Ça a pas l'air clair. Donc alors est-ce que je peux tomber par là directement? Moi j'en sais rien. Après l'ambiance est plutôt sympa mais j'ai l'impression qu'en termes de difficulté ils ont un peu pété un câble. Là c'est quoi ça? C'est ma lampe, d'accord, j'ai rien d'autre. Il n'y a pas de gun au milieu de la pièce non plus. Ah, alors ici ils peuvent monter. Ok, bon, on a le char là. Ah bah ici on a un autre, ok. Ok. Bah ouais, là il y a une porte hein, qu'on aurait aimé utiliser, mais malheureusement ça ne va pas être possible. You are dead. Ouais, on est dead, je confirme.
Bah celui-là, je suis bien content de pas l'avoir acheté, en vrai. Parce que je pense qu'en fait, il m'énerverait. Il m'énerverait. Donc, hop, je vais aller faire un truc de suite sur Steam. Je vais le retirer de ma wishlist. Comme ça, il n'y aura pas d'achat intempestif de cette chose. Non, après, oui, l'ambiance et compagnie, ça m'éclate plutôt qu'autre chose. Mais faut une difficulté qui soit un peu cohérente et logique, j'ai envie de dire. Et là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, j'ai l'impression. De mon point de vue. Donc, so long, hein. Et en plus, le menu, il est pété, donc c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, main menu, ça marche même pas. Bon, bah bref, c'était Gore Doctor. On n'aura pas fait longtemps dessus. Mais c'est pas forcément mal. Voilà.